Alrighty. Bah, il s'enfuit lui de là, là, attends, ouais, oh. Je sais pas ce qu'il essaye de décoper lui, mais... Ah bah il est venu finalement. Ok. Je sais pas quel truc pour les tuer sans qu'ils bougent trop là. Avec son bouclier là. Je sais pas si c'est genre t'es censé tirer dans la fente. Tu tires dans la fente hein. Ok. Ah ouais.
Je vais pas avancer un peu, hein. Non. Il a pas envie. Voilà, là, on est tranquille, là, on peut parler, là. Salut, Cobra Genjiro. Oui, tranquille. Salut Thomas. Allez. Et là, il m'a pas filé un seul truc là. Arnaque. Oups. Tu fais pas grand rien, ce serait cool. Crevez. Again. Ouais, il peut facilement me mongoliser lui, hein. Si par exemple ça lui prend de monter, ouais, je suis très mal, hein. Salut Bozinko. Ben, est-ce que ce soir, après la session un peu arcade, on se continue Deadly Premonition? La suite de l'histoire, hein. J'ai tellement de gants. Bah le truc c'est quoi là?
Donc c'est l'histoire, tout ça, c'est cool, mais... Allez. Les petits cons. On veut pas dire merci. Deadly Premonition sur... Je sais même pas qu'il y ait une version PC parce que... C'est un peu juste hein, ces conneries hein. Il y a des petits camps dedans. Non. Ouais, bah c'est comment dire, c'est parti de ces jeux. Comment dire. C'est un peu comme un nanar quoi, c'est-à-dire c'est des fois si nul que c'en est rigolo, tu vois. Et en même temps des fois vraiment bien. D'accord. Bah c'est un jeu qui a pas beaucoup de budget. Mais par contre, waouh, qui a beaucoup d'ambition quoi. Un peu trop, tu vois. Un peu trop pour son budget et ce qu'il sait faire. Il sort de sa zone de contrôle, de confort, pardon, et de contrôle, hein, parce que des fois c'est nappe, hein. Mais il y a les passages mémorables, mais il y a aussi des trucs complètement nasses, quoi. Alors tout ce qui est nasse, c'est tout ce qui concerne un peu le gameplay, malheureusement. Ah bah tu l'envoies trop loin gros. Dans les Deadly Premonition, je l'ai d'abord fait sur Xbox, hein, 360 c'était pas mal, et puis après... Grosse erreur de ma vie, le racheter sur GOG. Hein. Ah bah on aime les saucisses ici. La bonne saucisse.
comment il était rapidement tiré le deuxième, lui. Attends-toi. Mais... Voilà, je l'aime pas. Pas non plus. Qu'est-ce qu'il fait? Bordel de merde. Bon timing, hein. Pourquoi tu pètes? On en parle plus, hein. De rien. Ah ben, bien joué, hein. C'était pas de la blague, hein. Oh, c'est putain d'avion, là. Bah alors là, la quintessence du run and gun. Allez, crève. Pute. Putain, il a pas voulu crever, hein. Attends, je vais le manger gentiment. Ouais. Salut Judo! Oups. Ah bah oui, bah il y en a... Il y en a tellement une chien. Ça dépend de quel site tu veux.
Les bons, la bonne série de Don Pachi, les Strikers. Hein. Bah, je te conseille Ampolis Batrider là. Ou Batsungen, je sais plus. Ouais, mais alors, bah c'est le jeu où t'as toujours l'impression d'être nul au début, et puis c'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Hein, et personne, genre, personne arrive. Alors, forcément, quand t'as un peu l'habitude. Les départs peuvent être plus simples, mais. Mais c'est jamais simple. Parce qu'il faut vraiment connaître les arrivées d'ennemis par cœur, connaître les placements. C'est pas une question d'être nul ou pas, quoi. Putain, il m'a enfermé avec sa grenade! Bordel de merde! Sale vieille putain! Et lui, je sais pas pourquoi il est arrivé jusque là. Bah, je me suis un peu avancé trop, je pense. Viens par là, connard! Ouais, c'est mort. Ouais, c'est une valeur sûre. Hein. Bande de pute. Je bête. Ah bon. Ah bah ouais, d'accord, ok. Si tu veux. Je savais même pas que c'était possible, ça. D'arriver directement en haut. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a les avions encore? C'est extrêmement bizarre.
Oh, ils sont skill 0. Bon. Bienvenue à toi, merci du follow. Les deux couillons là. Les deux couillons. Merci. Merci pour la merde, toujours plaisir. Wow. Calmate. Ben on est bien par en bas. Bah il va y avoir un... Et tu sais qu'il y a un shoot them up qui s'appelle In the Hunt, qui a des graphismes un peu comme celui-là. In the Hunt. Ah bah voilà là. Tranquille quand même. Exactement, on vient quoi. Un jeu qui sont faits avant ça. Allez. T'es là, t'es en arcade, tu te retournes pour voir s'il y a pas une meuf qui a pas vu, tu vois. Pas touché sur le dernier boss, hein.
Un bon petit one credit. Hein. C'est le premier. Bah c'est un pur banger ça. Bah la série quoi, enfin en tout cas les trois premiers. Et bah 6, et puis il y a le... Moi il y en a un, tu vois, c'est vraiment un nanar. Celui qui est vraiment un nanar, c'est le Metal Slug 3D sur PS2, hein. Ça c'est... Du bon vin. Ah bah ouais, alors alors moi il y avait le 2 que j'arrivais à terminer mais tu sais avec 10 balles donc 3 crédits quoi. Mais le problème c'est toujours sur la fin quoi, tu vois. Tu vois là en fait franchement si... Est-ce que j'aurais la patience de me faire vraiment, tu vois, genre... Parce que là, ce qui est cool, c'est que là, en fait, j'ai tryhard sur un truc, c'est le dernier niveau pour trouver le... un chemin à peu près correct, hein, tu vois. J'ai foutu une save state au début du dernier niveau, et puis... pendant une heure, j'ai fait le tour...